Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Entre l'Algérie et l'Espagne, les caporaux d'Alger sèment la misère diplomatique. L'Algérie écarte toute évolution dans ses relations avec l'Espagne. Le ministre algérien des Affaires étrangères a écarté toute évolution dans les relations tendues entre son pays et l'Espagne, les causes ayant conduit à la détérioration de ces relations sont toujours en vigueur, a souligné Ahmed Attaf en réponse à une question sur ce sujet lors du point de presse qu'il a animé mardi à Alger. Le chef de la diplomatie fait référence au soutien en mars 2022 du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental marocain. Les médias algériens se félicitent de la décision du roi Philippe VI de désigner le chef du parti populaire Alberto Núñez Feijóo pour former un nouveau gouvernement afin qu'il honore ses promesses électorales, afin de revenir à l'équilibre entre l'Algérie, le peuple sahraoui et le Maroc. Le Polisario souhaite aussi que Feijóo annule la décision de Pedro Sanchez, toujours selon les médias algériens. Pour rappel, en septembre 2022, le président algérien avait prédit une évolution de la position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental marocain. L'Espagne a commencé à revenir à la décision européenne sur le dossier du Sahara occidental marocain, avait déclaré Abdelmjid Tebboune un an après et n'a toujours pas bougé. Voilà donc, comme ils ont l'habitude de le faire, les caporaux et leurs chefs de diplomatie sèment la misère dans leur diplomatie à travers le monde. Actuellement, l'Algérie n'a plus de partenaires. Elle s'isole de plus en plus à travers le monde à cause de la mentalité hostile à l'intégrité territoriale du Maroc dans la tête de ses caporaux. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes, la première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiya, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco, pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons Amazir. La chanson Amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiya, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen.
Avant de commencer, je voudrais remercier l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 euros à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Rejoindre » juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres. À chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière, restez donc branché sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous.